Salut, zami mwen. Jodi a, nan numéro 699, nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, nan continue avec présentation nou concernant l'importance de la connaissance dans la vie de l'homme. Notre question de base a été, quelle est la chose la plus essentielle pour vous dans la vie? Qui sa ki pi important pour vous-même ici-bas? Premier bagaille nous t'est arrivé identifier comme essentiel dans la vie de l'homme, c'était la connaissance. Capacité pour l'homme arriver connaître et comprendre en pile bagaille et en pile réalité la vie ou bien qui dans environnement. Même s'il n'est pas toujours facile pour nous entendre nous sur une définition concernant la connaissance, mais chaque qu'on a parlé de connaissance, ça a un rapport avec faculté mentale, faculté cognitive, l'esprit rentré là-dedans, qui donne naissance à des idées, également à des pensées, qui permet l'homme de capacité pour analyser un ensemble d'objets et de réalités. Si, le plus souvent, il fait une grande différence entre l'homme instruit et l'homme ignorant, côté que première catégorie a une quantité d'avantages sous deuxième nom. Mais en général, yo reconnaître la capacité d'apprendre ou bien la sagesse, c'est un élément qui distingue l'homme des animaux. Dans toute qualité créative qui gagne sous la terre, seul l'homme est capable de par sa connaissance et sa sagesse d'améliorer sa mode de vie, d'opérer des changements importants dans sa vie. Seul l'homme est capable de par ses connaissances et sa sagesse de mieux satisfaire ses besoins matériels et spirituels. Oui, zami mwen, connaissance ou capable et doué aider ou vivre pi bien. Et c'est une motivation qui permet que l'homme, du berceau jusqu'au tombeau, a cherché instruit tête li, joue un bon genre connaissance pour améliorer son bien-être. Mais, là nous arrivons là, faut nous préciser pour nous-mêmes, il y a ou il devrait y avoir pour vous une certaine priorité dans les connaissances. La plus grande des connaissances, c'est la connaissance de Dieu ou la connaissance sur Dieu, la connaissance concernant le grand créateur, la connaissance sur la personne et le plan de Dieu pour ses créatures. Heureusement, Dieu s'est révélé tout ça ou besoin comme essentiel pour capable pi bien vivre notre qualité relation avec bon Dieu. Le grand créateur météo disponible pour vous à travers ses révélations. La deuxième plus grande connaissance, c'est la connaissance de soi. Qui mounouye? Dans ce sens, ça n'a pas rappelé une juste conception ou connaissance de Dieu, du Dieu créateur, ap edo pi bien répondre question ça qui mounouye et nous garantit aux amis moi une très bonne connaissance sur le grand Dieu créateur et sur vous-même ap edo vivre pi bien. D'ailleurs, la connaissance est un pouvoir et la connaissance donne du pouvoir. Et Jésus dit dans Jean 8 verset 32, la vraie connaissance, la première de toutes les connaissances, leur gagner li, la rend nous libre. La permettre que vous retrouvez le vrai but, la vraie raison de votre existence. La permettre que vous construisez des relations solides avec le divin créateur et vos semblables. Une autre fois, quittez li pour vous-même, Proverbe, chapitre 4, le verset 7. Chercher gain connaissance, c'est premier bagay yon nom l'esprit doit faire. N'importe qui ça ou ka gagner, bay li pour vin gain plus comprendre, plus connaissance. Zami mwen, pas j'oublie non, bon Dieu pas d'accord ou rete nan ignorance. Bon Dieu pas d'accord et parler ou rete nan ignorance. Et c'est une raison qui fait li révéler ensemble avec comme étant la vérité. Et pour nous terminer numéro rubrique ça, pendant n'a prend rendez-vous ensemble avec pour notre plus prochain numéro, n'a dit ou même qui gen oreille pour tendre,
tendez.